Si vous croyez que Jésus est roi, si vous croyez qu'il est le Seigneur de Seigneurs, et si vous croyez qu'il est le médecin de médecins, poussez un grand cri pour le temps. Ya. Merci. Nous allons nous asseoir en acclamant Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Naye Kopondela. Naïe ko changer histoire en agar. Sokambula oyo. Na koku fate. Na koku felate. Acclamez le roi de rois. Suivez-moi attentivement. Ici, nous sommes dans un ministère. Je ne cesserai jamais de le répéter. Le ministère veut dire être mis à part pour une tâche donnée. C'est ça un ministère. Alléluia. Et nous, nous sommes le clinique de Dieu. Ça veut dire Dieu nous a mis à part pour que nous puissions fonctionner comme des cliniques spirituelles. Dans les cliniques, il y a ce qu'on appelle également la prévention. C'est-à-dire, on te dit pour ne pas laisser telle ou telle autre maladie accéder à ta santé, prends telle disposition. Nous l'avons vu avec la maladie de coronavirus. C'est là où on a pu comprendre qu'est-ce que c'était la prévention. On vous dit qu'il faut porter des masques, ne faites pas passer vos mains sur la bouche, sur le nez, sur les yeux. Déjà, tout en n'étant pas médecin, on comprend déjà qu'il y a une communication entre la bouche, le nez et les yeux. C'est-à-dire que si vous avez le virus sur le main, quand vous touchez les yeux, ça communique.
Vous touchez le nez, ça communique. Vous touchez la bouche, ça communique. Et là, maintenant, je suis en train de vous enseigner sur les dispositions que le diable prend à la fin de chaque année. Parce qu'il fait son bilan. Le travail du diable, c'est égorger, c'est détruire et c'est voler. Et à la fin de l'année, à la fin d'un cycle, il fait un bilan comme toute entreprise pour voir ce qu'il devait faire, est-ce qu'il a fait correctement. Mais le problème avec le diable, c'est quoi? Les enfants de Dieu qui prient, les églises qui sont debout dans la prière, parfois bloquent l'action de l'ennemi et de son armée. Beaucoup d'entre nous, nous n'aurions pas été vivants ces jours si peut-être nous ne prions pas. La prière, sans que tu le saches, te préserve de beaucoup de choses. Et le diable, en fin d'année, il s'est dit, je devais sacrifier autant, mais je n'ai pas atteint ce que je recherchais. Mais comme nous sommes en fin d'année, il faut chercher les maillons faibles pour les détruire et compenser mon retard. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on arrive à la fin de l'année, vous allez voir des choses. Certaines choses qui vous arrivent par surprise. Moi, je suis pasteur. Je reçois des coups de fil de partout, des gens qui sont en détresse. Et je suis en train de sentir cela se réveiller comme d'habitude. On m'appelle à Kinshasa. Elle a connu tel problème. Cet après-midi, on m'appelle à Paris. Il y a une maman, une soeur qui a été attaquée par une crise cardiaque entre la vie et la mort. Ça veut dire que si tu n'as pas la lecture spirituel, tu vas penser que ce sont des choses qui arrivent. Mais la saison que nous sommes en train de traverser maintenant, c'est la saison des sacrifices. Voilà pourquoi, comme nous sommes le clinique, l'Éternel nous donne des enseignements pour prévenir. Voilà pourquoi, depuis hier, nous avons commencé ces enseignements intitulés la sorcellerie et la saison de sacrifice. Et vous allez comprendre beaucoup de choses dans ces enseignements. Hier, nous avons introduit pour que vous puissiez vous réaliser que nous sommes en guerre et la guerre a changé de dimension. L'ennemi a déplacé, il a envoyer tous ces hommes de guerre tout autour de nous. Ne pensez pas que si vous êtes en bonne santé, que l'ennemi ne vous a pas ciblé. Je donne l'exemple de cette dame qui est sur le point de rentrer ici à Brazzaville et l'ennemi l'attaque. Elle ne pouvait jamais s'imaginer que l'ennemi va attaquer, mais c'est la saison des sacrifices. Alors si vous n'êtes pas debout et que vous voulez vivre comme des gens inconscients, vous risquez d'être surpris avec la Bible tout en étant dans la maison de Dieu. Si nous avions notre adresse ici à Brazzaville, nous allions commencer des programmes de retraite, de jeûne et prière, mais on ne sait pas vous suivre, on ne peut pas vous dire allez jeûner
seul, sans prière, ça, ce n'est pas le jeûne. Alléluia. Donc, nous sommes en difficulté à cause du fait que nous n'avons pas encore une adresse à nous pour vous prendre en charge. Et c'est le défi que nous nous donnons, que ces mois ici doivent être les derniers pour que le Seigneur nous aide à trouver la place et que nous puissions avoir l'adresse pour commencer des vrais programmes de prière, des vrais programmes de prise en charge. Nous ne voulons pas acheter pour acheter, mais nous voulons acheter quelque chose qui va valoriser notre Dieu. Nous sommes un grand ministère. Vous allez le voir dans le fait, dans votre vie, que nous sommes un très grand ministère et que le fait d'être ici, vous êtes exceptionnel. Aïe, 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 aïe. Nanya zoloka makambo na zoloba. Qui entend ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre que vous êtes exceptionnel. J'ai suivi le témoignage d'une maman hier à la fin de la prière. Elle me dit, papa, quand nous étions au séminaire dehors, elle a apporté 500 000. Mais quelle n'a pas été sa surprise? Deux semaines après ou une semaine après, je ne sais plus. Et dit, il y a une autorité de Kinshasa là-bas qui travaille avec elle dans le cadre de son travail, qui l'appelle et qui envoie 500 000 et lui donne comme ça. Parce qu'elle a donné à Dieu et Dieu a... Aïe, 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 aïe. Elle est là, cette maman, je ne sais pas si elle est là. Elle est là? Est-ce qu'elle est là, la maman qui m'a vu hier, qui a donné ce témoignage ici? Elle n'est pas là. Parce qu'elle travaille dans une pharmacie, elle n'est pas là. Donc elle doit être encore au travail. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Nous allons prendre 5 minutes pour terminer le petit lot de nos autocollants. Il faut le mettre sur les portails de votre maison. Il faut le mettre sur votre Bible, sur votre voiture. Surtout, il faut montrer que vous adhérez dans une vision. Cette vision vous appartient. Cette vision et vous apportera les bénédictions. Voilà. J'aimerais vraiment qu'il reste une cinquantaine. C'est 1000 francs seulement. Chaque personne qui prend ses autocollants, il est en train de participer à la grande vision que nous avons sur l'obtention de notre adresse. Voilà pourquoi Papa Tédé là et tous les autres venez prendre ces autocollants. Il ne reste qu'une cinquantaine. Si vous pouvez le prendre pour mettre sur votre Bible, donner à un voisin. Et ça annonce également, ça vulgarise également notre ministère. Si on le fait rapidement, qu'on nous joue la musique rapidement, mettez dans le panier ici. Donnez-moi aussi une dizaine, je vais vendre rapidement. Moi aussi je vais vendre. J'aimerais que quelqu'un prenne à ma main ces 1000 francs. Je vends pour le Seigneur. Je suis en train de vendre de ma main aussi. Il est hors de question. Je suis en train de vendre sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse. On va retourner 300. Quand je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Quand je n'ai jamais vu je suis en train de vendre. Il est hors de question. Je vois aussi. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse. Quand je n'ai jamais. Quand je n'ai jamais vu un homme. Je vois aussi. Quand je n'ai jamais. Quand je n'ai jamais vu un homme. Je vois aussi. Il est hors de question. Il est hors de question. Que ça finisse comme ça.
Jésus, je veux. Quand je n'ai jamais, quand je n'ai jamais vu un homme que sans Jésus. Oui, elle est le Baba. Acclamez le roi de rois. Acclamez le Seigneur de Seigneurs. Donnez-moi un. Acclamez l'alpha et l'oméga. Acclamez l'étoile brillante du matin. Poussez des grands cris de joie. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Deux Rois, chapitre 6. Du 14e verset au 19e. On va lire pour nous Deux Rois, chapitre 6, du 14e verset au 19e. La sorcellerie et la saison de sacrifice. C'est bon? Lisons la parole de Dieu dans le livre de Deux Rois, chapitre 6, verset 8 à 21. J'ai lu au nom de Jésus. Pardon? 14 à 16. Excusez. Deux Rois 6, 14 à 19. Je peux lire rapidement alors. Je vais lire rapidement. Deux Rois 6, 14 à 19, il est écrit. Il y envoya deux chevaux, deux chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec de chevaux et de chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ?» Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie, la parole des dieux. Acclamez très fort la parole de Dieu. J'aimerais que tu dises à ton voisin, nous sommes en guerre. Dis à ton voisin, nous sommes en guerre. Il y a une armée qui est déployée tout autour de toi. Dis à ton voisin, il y a une armée qui est déployée tout autour de toi. Fais attention, nous sommes en guerre. Fais attention, nous sommes en guerre.
Acclamez le roi des rois. La Syrie était en guerre contre Israël. Et le roi de Syrie se réalise que il n'arrivait pas à atteindre certains de ses objectifs. À chaque fois qu'il décidait de piéger Israël, Israël le contournait et le devançait. Finalement, il s'est posé la question, pourquoi Israël déjouait ses pièges? On va lui dire, c'est à cause d'Élisée. Dit Élisée. Le bas m'a cassé. Élisée. Il demande, mais qui est Élisée? Il habite où? On va lui dire, Élisée habite à Dothan. J'aimerais ouvrir une parenthèse sur Dothan. Dothan, c'était une ville située au sommet de la montagne. Et Dothan veut dire deux puits différents qui sont côte à côte. Deux puits différents qui sont côte à côte. Alors si tu lis ce texte, au commandement, c'est lorsque le roi de Syrie a appris que Élisée habitait Dothan, il a déployé toute une armée. Ces hommes de guerre, Alobina Bango, Bokende, Bokangelangaye, Tobomaye, Lobana Kokufate, Bako Kangangaite, Loba Molimanyo Swakindoke, Oezo Lukisanga, Oko Zuangaite. Okokangangaite. Loba kindoki alibota. Kindoki alibota. Nazali maumbula binote. Nazali maumbula binote. Nazali sacrifice na binote. Nazali sacrifice na binote. Au nom de Jésus. Acclamez l'Éternel. Les rois de Syrie était persuadé que son armée était assez forte pour aller chercher Élisée là où il était, le ramener à ses pieds pour qu'on lui donne la mort. Bandoki, na fin de l'année, Oyo, Bazali rassuré que Bako Lukayo, Bako Zoyo, Bako Bomayo, est-ce qu'on dit Miyango? Nazoyo Kate, est-ce qu'on dit Miyango? Loba jamais! Jamais! Nakoku Fate! Nakoku Fate! Nakoku Felate! Nakoku Felate! C'est une réalité que le Seigneur vous apporte dans l'enseignement. C'est pour vous réveiller. Le roi de Syrie a tindi son armée. Le problème, c'est quoi? Lorsque cette armée arrive, elle découvre que Dothan et Zalaki n'a pleine terre, mais cette ville était sur le sommet de la montagne. Nalingina lobana motomoko. Dothan, c'est l'image de l'église. Dothan, c'est l'image du ministère de Dieu. Ministère Yazambe. Église Yazambe. Et ça n'a sommet. Et c'est quand Zambé a Zalaka. Ennemi à quoi t'entre yote. Parce que Dieu t'a élevé. Zambé a bombé au licolo. Belle au bakone kokomate. Nana zondi mama kambo na zoloba. Soko zondi maloba. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
l'armée arrive sur la plaine et regarde l'habitation de Élisée. À mon idée, l'habitation est en sommet. Ils ont attaqué, ils se sont regroupés la nuit, c'est pour créer le fait de surprise. Les sorciers nous surprennent. Ils ne nous surprennent pas des accidents. Ça peut être des accidents routiers, ça peut être des accidents sanitaires, ça peut être toute forme. Au cas moi, tu te retrouves dans une situation sans comprendre de paix. Yango Malobi, cette armée s'est déplacée la nuit. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? Lorsque l'armée s'est déployée et Kangiba voit des sorties nyonso, Malobi, nous allons monter pas à pas jusqu'à arriver Nandako, il y a Élisée, et nous allons le cueillir là-bas. Potomema et les monsieur à roi à Koufa. Le bas jamais. Moto kobo mangazate. On a peur. La Bible dit le matin arrive. Cette armée n'est pas arrivée là où se trouvait Élisée. Yangona Zolo Banayo, peut-être tu ne te réalises pas. Depuis le début de l'année, l'ennemi te cherche. Mais il n'a pas pu mettre sa main sur toi jusqu'aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Nanya Zoyo Kamakambole Zolo Banayo. Banda mboule banda, azo lukayo, na mosala, na zando, na ndako, na libala na yo, azo lukayo, me loboko na ye, koma kate siko yo zali. Oko mona gaite, oko simba gaite, oko simba gaite, onote. Et le matin arrive. On nous dit, le serviteur d'Élisée, de bon matin, il se réveille. Quand il va ouvrir la fenêtre, il découvre qu'ils sont entourés de l'armée ennemi. Il va aller réveiller Élisée qui dormait encore. Regardez un peu l'attitude d'Élisée. Ce que Tanguy texte Oyo en amont, on dit c'est à plusieurs reprises qu'il a informé le roi d'Israël sur le piège que l'armée syrienne le tendait. Alléluia. Ça veut dire que Élisée était informé qu'ils étaient en guerre. Mais ce qui est formidable avec Élisée, malgré qu'il soit en guerre, il dormait paisiblement. Aïe, 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 aïe. Nanazoyo kamakambo nazoloba. Il dormait paisiblement. Et peut-être les serviteurs s'est réveillé tôt parce que lui n'avait pas sommeil. Il sentait les dangers. Mais Élisée dormait. C'est là où nous allons comprendre pourquoi la maison d'Élisée était à Dothan. Tolobi Dothan et Zali, deux puits différents qui sont côte à côte. Alléluia. Nandako Élisée, je vous ai dit, c'était l'autel de Dieu. C'était l'autel de l'alliance. C'est là où Dieu lui donnait des révélations sur ses ennemis. Alléluia.
Ton akatianda koyo, ton le bien zali ko symboliser la maison de Dieu, le temple. Dans le temple, il y a deux sortes de personnes. Il y a autobengi les hommes spirituels, dont la vie ne dépend que de Dieu. Les hommes spirituels, baobazali attachés à l'Éternel. Les hommes spirituels sont bateaux oyo qui tirent leurs ressources en Dieu. Les hommes spirituels, bazabato oyo, bazoaka ba instruction par exemple, ils ne combattent pas par leur force ni par leur intelligence. C'est l'Éternel qui est leur bras, c'est l'Éternel qui est leur arme, c'est l'Éternel qui est leur force. Mais dans le temple, il y a également des hommes charnels. Il y a des gens qui viennent et qui ne veulent pas sortir de l'état charnel pour basculer à l'état spirituel. Il y a des gens qui sont là pour se moquer des autres, pour créer des problèmes aux autres. Il y a des gens qui viennent à la maison de Dieu pour appeler à l'histoire. Ah, oui, bien. Ah, mon bali a beau y être. Et qu'on n'a pas bijou à la tue à la terre. Oye biye, koto mikolo bazo bunda nanda kona bango. Oye biye, koto balongo liye mosala. Il n'a rien à voir. Na oyo tel les opes a ye. Lui, ses yeux sont sur les choses charnelles. Lorsque la guerre arrive, c'est là où vous allez sentir la différence. Lorsque Bitumba et Ye et Koti, c'est à ce moment-là que vous allez sentir la différence. Beaucoup de gens ne se réalisent pas que ton continue la saison, il y a sacrifice. Et l'homme qui vivait avec Élisée, c'était un serviteur charnel. Lorsqu'Amoni va trop pour et va tomber à l'obin à Élisée, qu'allons-nous faire? Parce que l'homme charnel est limité. Mais l'homme spirituel trouvera toujours la provision et la réponse à son problème. Yangona zolo banayo moto zaliao. Quel que soit ton problème, et ça la solution, moko et ça la repo quoi ça. Awa, impossibilité, zate. Il y a une solution dans ton problème. Atali kamonayo est poli. Atabato bazo mon avoir de sortité. Nana lobinayo, il y a une solution ici. Et tu vas dormir profondément. À Kinshasa, nous avons un frère. Lui, il nous a découvert à la télévision. Ce frère a sali plusieurs années, sur 2 ans ou 3 ans. Il ne dort pas. Et il est devenu comme un fou. Il y a un pasteur qui le suivait. En défilant la télévision, à mon épisode aux hôtels, à MC Frère et à Lobby, voilà là où tu dois aller pour trouver la solution. C'était la période il y a confinement. Lorsque le confinement est fini, ce frère est venu. Aïe, à Bandicolan d'abord enseignement. À Bandicolan d'abord enseignement. Un jour, il m'approche, à lui, papa. Nala la kate. Na koma le quoi liboma. Parfois il a besoin de prendre de l'eau pour boire. A que de kozoa. Comment on appelle ça encore? Place basuba kawana comment? Po ya masuba. An ngamela. Et on vient l'interdire. Parce que mon tour, ils ont ça la sauter parce qu'il ne dort pas. Alléluia. Ce jour-là, j'ai prié pour lui. À sa plus grande surprise. Il est tombé et il s'est endormi du coup. À l'aller plus de 3 heures. Église et Sili, prière et Sili, Batoubakei, lui, il a continué à dormir. Et quand il est rentré à la maison, il dit à sa femme, non, on dit prière, mais pour la première fois, j'ai dormi. L'anesthésie, il y a mon ganga,
Ezo pesa ye pongi teme o yanzambe pesi ye pongi. Il s'appelle le frère Platini. Alobi banda mokolowana. Banda mokolowana. Tilelo, il a repris son sommeil correctement. A koma kolala normalement. Et sa vie a changé. Nazobana motomoko, ta vie va changer ce soir. Nazobana motomoko, ta vie va changer ce soir. Est-ce qu'elle est là? Il y a une femme qui ne dort pas. Est-ce qu'il y a une femme ici qui ne dort pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne dort pas? Est-ce que Zana Motomoko a la capongité? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dehors? Allah la capongité. Yo la capongité. Viens vite, cours. Il faut courir. C'est ton jour. Oh la capongité. N'a pas dit. Amine yelanga oyo na zolo na leli pe nani alala kapongite lisusu. Amina sembola lobo, sembola lobo. Amina sembola lobo, utwa lelo kana mona. Amina sembola lobo, na betesa na umeli pe. Nani alala kapongite? Nani oyo munga ngapesi okisimi olala kapongite? Je voudrais expérimenter la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Dans les caméras, je bato balala kapongite, ils sont endormis tout de suite là. Prenez ces images. Et n'a déprogrammé session nyonso ya manque de sommeil de Corona Bango. Ola la kapongite. Mais à l'hôpital de Dieu, balali instantanément. J'aimerais qu'on acclame Jésus pour ça. Petit kabango balala pongi, puis surtout continuer ma terre. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez l'homme de Galilée.
Botika bango, ko déranger bango te. Tika bango. Déranger bango te, tika bango. Ils sont dans la salle d'intervention de l'Éternel. Ce que Dieu fait ne dépend pas des hommes maintenant. Acclamez le roi des rois. Acclamez l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin. Poussez des grands cris pour l'Éternel. Mettez la Yeshu Maboko Makasi. Ce soir, Nalingina a changé l'histoire, Nayo. Tu es stressé. Oulala Kamala Motel, l'icône Banyongo, l'icône à maladie, l'icône à échec, l'élan à l'obé. Force et nyonso. Oeza Kokundi Sayo. Ekwaya. Ekwaya. Nalobi Ekwaya. Eloko nyonso. Oeza Kopatola Opoke. Ekwaya. Nana zondi mama kabona zoloba. Soko zondi mataga pepe tamolola bakasi kona Yesu. Taga, 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 taga. Pepe tamolola kona Yesu. Pourquoi Élisée dormait alors que l'armée ennemie était devant lui? Il était sûr de la puissance du Dieu qu'il servait. Nazolo banayo, Zambo nazola kisayo, azali nzenga mambo. Zambo nazola kisayo, il est au-dessus, yanguya nyoso ebundisakayo. Il est au-dessus, yaba ennemi obazali bosonayo. Nazolo bana motomoko, putu ya lelo eza putu ya miracle nayo. Quel que soit combo et maladie, ou est-ce à l'école là, et kauka, et tikayo, et kandel, sort de là, sort. Libère ce corps, libère cette femme, libère là, libère. Libère ce corps, libère. Libère ce corps. Montagnoso, au bataille à la poloque.
esprit de folie, laisse-toi. Sors de ce corps. Sors. Sors de ce corps. Je sens la main de Dieu est en train de guérir maintenant. Le Seigneur est en train d'opérer maintenant les myomes. Il y a des opérations qui sont prêtes maintenant. Nazakomona, Bamiom, et Zakolongwa, Bazakolongola, Bamiom. Au nom de Jésus. La zomona intervention de myome. Ba myome zo longwa. Et ça la bateau qui était programmé pour la intervention chirurgicale. Mais la main de Dieu est en train d'opérer maintenant. Ba fibro, ba myome, et zo longwa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque tu as Jésus, tu ne dois pas t'inquiéter. Élisée avait l'assurance qu'il vivait dans la main de Dieu. Il était enveloppé par la puissance de Dieu. Et qu'un gouillard m'encontrait et qu'on corrompre la présence de Dieu pour y atteindre. Corps étranger, nios. Oh, bachana, tchotonayo. Tu as encore besoin de dormir. Corps étranger, Nyonso. O ennemi a tchana tchotonayo. Pour la contrôler yo. Pour te repérer yo. Dans le bien zopi masiko. Nanezo yo kamakambo na zoloba. Dans le bien zopi masiko yo. Est-ce que tu crois à cela? Ce qu'on se croit, ganga, pesa makasi. Alléluia. Ganga. Alléluia. Ganga. Alléluia. Ganga.
écoutez, beaucoup d'entre vous, vous ne vous réalisez pas que beaucoup d'entre nous sommes mis dans la liste des morts. L'esprit des morts est là dans cette salle. Madame, mets tes mains sur ma direction. J'ordonne à l'esprit des morts de libérer ce corps. J'ordonne au nom de Jésus, sors de la mort. Sors de la mort. Sors de la mort. Ta place est parmi les vivants. La ligne motonyoso azoma bokola et la direction à l'hôtel. Mettez vos mains sur la direction. Là où Dieu parle. Là où Dieu agit. Mettez vos mains à la direction de l'hôtel. Il y a déjà des programmes qui nous ont pénétrés. Menge tozaliawa. Il y a des programmes dans la commune, dans le village, dans le bisou. Et là, un programme, il y a un ennemi, dans le bisou, parce qu'il y a commis. Et ça, la carte, dans le bisou, c'est la carte, elle s'exécute. Nalingi, que l'hôtel de Dieu devienne ton secours. Ma boue, qu'on a un nègre au Dieu, et ça, les sous-sous, nègre, ça, qui n'y peut sauter. Nègre, caca, au temple, ma boue, qu'on a eu, tu as reçu la puissance de l'hôtel. Nalingi ont expérimenté la fidélité du Dieu de l'Alliance. Joa maboko na yo, chala libumu na yo na motolu na yo, maboko na somi balé. Fungola monokolo makasi peza. Talalikolo, ferme tes yeux. N'a qu'on soufflé awa. Que l'Esprit de Dieu est picola. Baracine nyonce à condamnation à la katinaïo. Ou qu'on a posé à kosola. Ou qu'on a posé à kosanta. Et ça va pas tomber sur la commande à qu'on pousse ma cri. J'ordonne. Au nom de Jésus. J'ordonne. Force étrangère nyonce. Ebima, Ekende. Yangwane Zobima. Yangwane Zobima. Yangwa les obima, la zo soufflé, et loko nyanso, corps étranger nyanso, ou est-ce la katina yo, ebima, ekede, au nom de Jésus. So qui ko sansa, sansa, ko kanga yangote. Yangwa les obima. Yangwa les obima. Yangwa les obima. Au nom de Jésus, libère ce corps. Sors, sors, sors de ce corps. Sors, sors de ce corps. Corps étranger, nyonso,
oye fandi, oye koti na choto yo, na pesi mitindo, ebima, ekende, au nom de Jésus. Kokangate, soki oke posa ko sansa, so, sors de ce corps, sors de ce corps, sors, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors, Simbali pour mon nom à Kassi. Sors de ce corps. Au nom de Jésus, acclamez le roi des rois. Joie semence moko. Qui m'embango ne marchez pas sur eux. Relevez ceux qui sont couchés, sinon on va marcher sur eux. Luka. Enlevez ça, ça c'est pour le. Namikumba kosa na yango, na kuna mato yema, maloba na yo, esika bomo yesa, maloba na yo.
Suivez-moi attentivement. Élisée va utiliser deux stratégies de combat. La première, c'est la révélation. Lorsque son serviteur, qui était charnel, lui dit qu'il n'y a plus de solution. Solution est salité. Toko pimandenganini. Toko échappendenganini. Il va frapper à la porte de la révélation de l'Éternel. Il dit, Éternel, rien n'est impossible à toi. Dis-moi, que devions-nous faire pour surplanter cette armée? Zamba Lobinaye, vous ne ferez rien. J'ai déjà mis à votre disposition une armée qui est plus importante que l'armée de vos ennemis. Beaucoup de gens combattent dans l'aveuglement sans révélation. Nous pensons que nous allons discourir Mingi, Maloba et Bélé sans savoir ce que nous sommes en train de dire. Banazambe, comme à des coutumes, feu, de quel feu tu parles? Moto et Tumba, Akoufa, Azaraboye, de quel feu tu parles? Il faut que le Seigneur te révèle l'arme où il faut utiliser devant un combat donné. Maman là-bas au fond, là-bas, en rouge, lève-toi. Mets tes mains sur ma direction. Il y a l'esprit de mort sur toi. Mets tes mains sur ma direction. J'ordonne, au nom de Jésus, libérez ce corps. Libérez cette femme. Libérez-la. Au nom de Jésus, qu'elle soit libre. Je brise le lien de mort. Je brise le lien de la mort. Que cette femme vive. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Élisée dit à son serviteur charnel, il lui dit, Dieu a mis à notre disposition une armée qui est plus nombreuse que ceux qui nous attaquent. Alléluia. Bitumba ya fin d'année, Oyo, nous allons bénéficier de l'apport de l'armée céleste. Aïe, nazolo bana motomoko. Bando ki oyo ba telemi, na mipanga, na maloba, na malimite ba tche. Dieu a déployé une armée plus forte tout autour de toi. Na na zondima makabo na zoloba. Loba na zondima. Zondima. Loba na zondima. Zondima. Le serviteur d'Élisée ne comprenait pas. Il dit, mais je vois l'armée ennemie
Mais comment peux-tu me dire que Dieu a mis à notre disposition une armée? Allô, B. Élisée va lever ses mains. Il va dire, Père, ouvre les yeux de cet homme qu'il voit la réalité spirituelle qui est sur nous. Nanyazo kamakambo nazoloba. Nanyazo yoka makambo nazoloba. Ouvre les yeux de cet homme à mona. Oyo mato nyoso bazo monate. Du coup, cet homme va voir une armée formidablement équipée de chars de feu qui était plus importante que l'armée qui était là-bas. Boutuyalelo, je vais demander une grâce. Misonayo et Mona. Nalingi, nasenga grâce, mokoli kolonayo. Misonayo et Mona. La maman protocole au fond là-bas, viens, en blanc, viens. Celle qui est en blanc, viens, viens. Cours vite. Nalingi na senga. Misonayo et Mona. Makambo et Zaliao. Je vais te faire grâce. Je vais te montrer ma main. Regarde. Ne ferme pas les yeux. Regarde. Il y a une présence que je ne sais pas définir maintenant. Je demande la grâce que l'Éternel vous ouvre les yeux pour que vous puissiez comprendre qu'à partir de ces moments, vous êtes intouchable. Non, non, Nalobi, vous êtes intouchable. Dans un monde à bas statut, ils ont changé. Lève-toi. Viens. Viens vite. Regarde sur ma main. Ne ferme pas tes yeux. Maintenant, il y a des gens qui sont absents dans leur combat. Pendant que l'ennemi t'attaque, tu ne vois rien. Je suis en train de demander une grâce particulière. Je voudrais que vous puissiez voir vos ennemis. Vous allez voir, même la nuit, ceux qui vous attaquent. Vous serez à mesure de les arrêter physiquement. Je suis en train de dire à quelqu'un, fini, fini, fini les pleurs. Fini les pleurs. Fini les pleurs. Élisée a demandé à Dieu. Et c'est ce que je suis en train de demander à Dieu. C'est ce que je suis en train de demander à Dieu. Que vos yeux spirituels s'ouvrent. Je demande à Dieu que vos yeux spirituels s'ouvrent.
Je suis en train de demander que vos yeux spirituels s'ouvrent. Vous allez voir des choses qui viendront demain, qui viendront après-demain. Vous allez voir les stratégies de l'ennemi. Vous allez voir les attaques, comment elles viennent, comment l'ennemi est organisé. Que vos yeux s'ouvrent. Je dis que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. Vous allez avoir la lecture de vos ennemis. Vous allez avoir la lecture de ce que vos ennemis entreprennent. Vous allez voir. Vous allez. Lève-toi, madame. Tu pleures beaucoup. Mais le Seigneur veut ouvrir une nouvelle saison pour toi. Je dis, tu pleures beaucoup en privé. Et le Seigneur veut ouvrir une saison pour toi. Approche-toi ici. Père, c'est toi qui connais, c'est toi qui vois. C'est toi qui parles. Si c'est toi qui es en train de parler maintenant, je veux que tu ouvres la saison de la procréation sur cette femme. Je veux que tu ouvres la saison de la guérison miraculeuse dans ses entrailles. Je voudrais, Éternel, qu'une opération s'opère maintenant. J'aimerais maintenant que tu étonnes la science, parce que toi, tu es au-delà de la science. Aide-moi. C'est ta femme et Dieu vous met en communion. Prends tes deux mains, mets sur son ventre ici. Tes deux mains sur son ventre. Tourne-toi comme ça. Voilà. Père, c'est toi qui parles. C'est toi qui connais. C'est toi qui es présent. Maintenant, que ton onction touche, impacte au nom de Jésus. Recevez. Prenez-moi ces images. Un grand miracle vient de s'opérer ici. Merci, soyez bénis. Merci. Acclamez le roi des rois. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez l'alpha et l'oméga. Acclamez l'étoile brillante du matin. Acclamez Jésus. La deuxième grande chose que l'Éternel a faite, que Élisée a faite, il a frappé d'aveuglement ses ennemis. Tu as les capacités de le faire. Dieu t'a amené dans cette salle pour te donner des potentialités que personne dans ta famille n'a. Est-ce que tu entends ce que je dis? Dieu est en train de te donner du potentiel. Élisée a dit, Père, si tu es là, que toute cette nation, il parlait de la nation des sorciers, que toute cette nation soit frappée d'aveuglement. Il y a toute une nation qui est tout autour de toi. Il y a toute une nation de méchants qui t'en veulent, qui en veulent à ta vie. Mais le Seigneur te donne le pouvoir de les aveugler ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Loba, Bando Kinyosa! Boyo kalo sambolanga. Boyo kalo sambolanga. Miso na bino ekufa. Miso na bino ekufa. 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 Ale banda komotela. Ojo poma.
mais soya meilleure chose à peine nayo bandela bando kinso miso la bino kufa beta maboko miso bando kia kufa bando kinyoso famille nayo boya babundisa kayo butumoi lelo miso la bango e kufa e kufa au nom de Jésus, au nom de Jésus, ozo boma miso bandoki miso la bango kufa batungi sivina yo tango molayi lelo ifo miso kufa ozo beta maboko ozo bouge makolo beta makolo miso bandoki nyoso o batungi saka vina nga lelo miso la bino kufa au nom de Jésus, au nom de Jésus, aux bon de la bien-té, bête à ma boko, aux oganga, aux oloba, misounia sur le bandoki, écoufe au nom de Jésus, misouna bango koufa, au bataille kanga partout, les l'homme misouna bango, il faut koufa, il faut koufa, au nom de Jésus. Miso bando kinyoso, oh babundisa kanga, lelo misu nabino zo kufa, misu nabino zo kufa, au nom de Jésus, mosala nabino kota langa, misu nabino lelo, ezo kufa na kombo la Yesu, na kombo la Yesu, na kombo la Yesu, misu nabino zo kufa, misu nabino zo kufa, bondela, beta maboko, beta maboko, ozo loba, misu nabango kufa, Miso na bango kufa, miso bandoke kufa, bao babunisa kayo. Écoutez, là tu as fait une prière, mais maintenant tu vas poser un acte, une action. Tu vas crever le jeu de tes ennemis. L'iloba, oezobi ma monokono, ezali épée, eza javelot, eza lance. Okoloba, ndoki nyonso, oa outina libo talanga. Naeba ete, ndoki nyonso etelemi na nzela na ngai. Naza koponza miso na ye, naza koboma miso na ye. Esela, onda! Oh de Jésus, ndoki nyonso, naeba ete, o etelemi na nzela na ngai. Lelo nazo tobo la miso na yo, ba miso na yo ezo toboka, nazo tobo la yango. Au nom de Jésus, miso bandoki nyonso, o batelemi na nzela na ngai. Oh balanda kanga partout miso na bino lelo na zoto bola yango na kombo la Yesu na kombo la Yesu na toboli miso bandoki yali bota nanga bawe babundisaka nga butu moi lelo na zoto bola miso na bino toboka na toboli yango na toboli yango au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus miso bandoki toboka oyo batala kayo oyo batala kayo tango nyoso atayo lobi sava bango bazotala yo miso wane zo toboka tobola ba miso na bango tobola ba miso na bango miso wana fo toboka lelo nazo tobola ba miso nazo tobola ba miso nazo bonza yango miso wane bonzana miso wane bonzana au nom de Jésus au nom de Jésus na toboli ba miso bandoki miso na bango toboka pela bonzi yango na bonzi yango la kombo la Yesu et bonza au nom de Jésus. Amen. Amen. La prière au sali, c'est cette prière qui te donne la victoire sur tes ennemis. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton ennemi n'est plus à mesure de te voir. Amen. Amen. Atazali surarmé, a koki ko tirer le colonne à yote tant qu'il ne te voit pas. Ça veut dire que au fond de la page, il y a victoire, il y a fête de l'année pour toi. Amen. Nanezo yo kama kabona zolo. Soko zo kakanga pumbwa. Kanga pesa makazi. Alleluia, 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 alleluia. Prière y a dimension. Oyo, il faut sceller. Joie semence. Joie semence, il faut sceller. Le bar, hôtel y a zambé. Pesanga victoire, oyo. Et souka kakala malobate. Mais et komatiye si kabanguna na kabazali. Okozoa, c'est mans moko, c'est les prières, oyo, y a fait le mort, y a pas, ennemi na yo. Loka. Ah, c'est que la basante, le salut de Sambo, Luka yo pekoona, Sambo. Oye, c'est Luka Zandine,
Je voudrais maintenant, avant de terminer, vous dire ce qui va se passer dans votre vie en cette fin d'année. La très bonne information que je voudrais vous donner. Benemin Abino Misoza Kotodoka. Ya 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 ya. Misoza Kotodoka. Misoza Kotodoka. Suivez-moi. J'ai encore une très bonne nouvelle. Vous savez, Samson, il était très fort. Quand on l'a crevé les yeux, on l'a tiré comme un enfant. Parce qu'il n'avait plus Dieu. Alléluia. Boutu ya lelo. Le cola bandokyo baiki ko attaqué au ministre bangwe kufi. Maintenant, bazana se apokonzi na yo.
Nani azoyo kama kabona zoroba. Soki nazara kiona kokanga na kopumbwa na kobeta mololo mololo. C'est ce qu'Élisée a fait. Comme les yeux de ses ennemis étaient crevés. Alubina Bango, maintenant suivez-moi. Bah qui pour Babomaye, bah comme il a ça pour Konzinaye. Alubina Bango, ce n'est pas ici que vous devriez opérer. Suivez-moi. Bandoki, naba arme na bango, naba armement na bango. Bangonyo son asima, ya Élisée, Élisée di Bosso. Nalobi, na proclamé yo Élisée ya génération na yo. Amen. Na programme yo Élisée à génération na yo. Hôtel ya Zambé, programme yo Élisée à l'élo. Est-ce qu'on s'en dit ma yamba? Ce qu'on s'en dit ma yamba, alléluia, 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 alléluia. Eli Korobanin, ce qui va commis na solde na yo, tu feras de ce que tu veux. Bando ki bazoaka. Dans le spirituel, bavion et des colacs. Beaucoup de sorciers qui nous font du mal, ils habitent pas avec nous. Bah, dans le village, Moussika, aïe à opérer, à cotiper, à zongi. Est-ce que c'est la naga? Pour tout y aller là. Pour que vous cotez à bango, la bavion et coucou craché. Nana Zoyoka. Donc, il n'y a pas de Mokola missionnaire a kokufa a kokota na vio e kokoya na butu ya lelo. Amen. Nani azoya kama kabola zoloba. Amen. Daga, daga, daga. Alleluia, 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 alleluia. Vous ne vous réalisez pas ce que vous avez fait ce soir. Missionnaire mangweza ya kokufa. Amen. Bazala se abokozi na yo. Amen. Élisée. Vous ne pouvez pas opérer ici à tout temps. Ce n'est pas le chemin. Je vais vous montrer le chemin. Azu a mis ma routine à Samarie devant le roi. Yo, lelo. Yo, on met ma devant le roi. Pour le roi, on met ma bande devant le roi. Pour le roi, on met ma bande devant le fleuve Congo. Pour le roi, Bakoufa! Telema! Aujourd'hui, on met ma bande devant le roi. Mes mains étaient dans le fleuve. Le bas, si ça séjourne, on a fait un euro dans le Katia fleuve. Aujourd'hui, on pète à ma boko. Aujourd'hui, on pète à mes tindons. On a. Au nom de Jésus, donc il y a ça. Le rose aussi, ça séjourne, on a fleuve au nom de Jésus. Aujourd'hui, ça séjourne, on a fleuve au nom de Jésus. Yo, coopérer les sous-terres. Séjour Nayo, oh Kenekosi Lisango la fleuve Congo, au nom de Jésus, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, oso bondela, oso beta maboko, maboko ezo yo kana biente, beta maboko makasi, memae na fleuve, asili sa séjour na la fleuve Congo, asili sa séjour na yo kuno au nom de Jésus, au nom de Jésus, donc ignoso, lelo, oso asili sa séjour. Na fleuve Congo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma boko beta makasi, beta ma boko makasi, parce que ça me paix, tangozo beta yango, et zo sala mosala, et kende kome ma bango, mais ma bando kinyoso, na fleuve kuna, basili sa séjour kuna, na kombo na Yesu. Na kombo la Yesu, donc il y a ça, lelo, ozo sili sa séjour na yo, na fleuve Congo, nom de Jésus, ozo sili sa séjour na yo, na fleuve Congo, o koopere li sous-terre, o ko sala li sous-terre, séjour na yo, ozo kene ko sili sango, na fleuve Congo, nom de Jésus, au nom de Jésus, donc il y a ça, o bundisakanga, lelo e sili, o koopere li sous-terre, te. Oso kende tout droit, na memi yo tout droit, na fleuve Congo non de. Amen. J'ai une bonne information. Amen.
by Nemina Nyoso. Basaraki program yo lela na fin de l'année oyo. Matanga e koti na ba famille na bango. Matanga e koti na ba ndako na bango. Amen. E fanda e kota e kota. Amen. Zamba bongole. O ba pa prévoyer ki pona yo e zongeli bango. Acclamer le roi des rois. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Au confin une minute. Je voudrais vous donner l'information sur l'enseignement que nous allons avoir la semaine prochaine. Mais les lots, l'obina tongo, tous en a moussala mouné et tokosala aou. Les amis moussala, il n'y a aucun de quoi libérer. Ce que l'ennemi a programmé contre nous na Sukayambula Oyo. Le sorcier peut mourir, mais il laisse un agenda. Et ce sont les nanga. Et ça encore baboti na biso bakufa, mais batika testament. Au comment un testateur aye, alobi akufa, mais alobi ki yoko zwa te, yoko zwa, yoko zwa. Biso tozo kende ko changer nyoso e koma mina carnet ya ennemi na na zone di mama kambo na zoloba beta mololo makasi penza makasi makasi la ligne des années annonce que dimanche prochain, Tokokota n'a pas lié mon sosso sur cet enseignement, la sorcellerie et la saison des sacrifices. Nakotangelao, verset Moko. Omoni roi Oyo, Élisée, Azakope, c'est information. Sur l'armée ennemie. Roi Oyo, Tango Élisée a frappé aveuglement l'armée ennemie, a mimi bango nyoso, et pas ya roi Oyo à Israël. Mais ce que Tangi na verset 31, roi Péazu Kindoki, roi Oyo Amoni Monene en Zambi, roi Oyo, parce que c'est une information, une révélation par Élisée. Roi Zukin, le roi Zukin donc. C'est quoi pour la nîme? Ton a pour la nîme. La sorcellerie n'est pas liée aux hommes, c'est un esprit. Lorsqu'un sorcier meurt, il faut attirer un héritage par un motomoko. Il y a encore comme on a, de génération en génération, la sorcellerie persiste. On comprend pour moi le plus grand sorcier de ta famille. Mais au préalable, la sainte qui n'a pas moi dans la yo, tu n'as pas un nom dans la yo, tu n'as pas moi dans le casino. Ce n'est pas l'enseignement à dimanche, mais maintenant la Kisabino. Prenez mon kanda, il y a deux rois, six rois, dans le verset 31. Ah, on a besoin de la Kisabino pour. Nous avons la profondeur sur l'enseignement de la sorcellerie. Deux rois 6:31. Dans un tanga. Le roi dont la Bible dit ici, c'est le roi Oyo. Élisée a copié cette information. Dans verset 31, à l'obi, le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée. Fils de Chapat, reste aujourd'hui sur lui. Roi Lobi Nzambe a, donc, a puni rien ce qui a bomi Élisée. Le bas jamais. Amen. Le bas est coco qui s'amate. Dans la sorcellerie, beaucoup de gens ont eu salam alamo. Ce sont ces gens qui prennent l'épée contre toi. Bato yo imaginez
au lesaka, au latisaka, au futelaka classe, au joaka même, au fanisinanda konayo, ces gens-là finissent par chercher ta tête. Élisée a sali Simontoyo, à la kisie, ma révélation à Zambé, mais roi à l'obi, le quoi nazar roi, boutouya le lot, tombe kota la tête, il faut boutou Élisée sa nini. Est-ce qu'on dit bien? Jamais. Ce que vous avez dit, c'est que je vais vous amener dimanche. Mais l'obi, pour vider dans nos carnets, il y a ennemi. A commis ma maladie brisque, ma crise cardiaque, ma accident, pour qu'il ne soit effacé en l'obi dans ton nom. Amen. Amen. Il a effacé tout acte dans les ordonnances. L'obi, yo yebi ba ordonnance nini ba komali corona yote. Et demain, le quoi to bomimi sona bango, mais nous savons qu'ils ont laissé les ordonnances. Donc ils ne confident contenu à ba carnet na bango, afin que fin de l'année oyo toza la surprise. Ganga 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 beta mololo makasi. Ganga makasi peza. Vous allez découvrir beaucoup de facettes. L'enseignement sur la sorcellerie et la saison des sacrifices. Regardez le privilège au roi Oyazui par le ministère y a Élisée. Mais le roi maintenant est en train de demander la tête. Et c'est lui qui l'a épargné d'échec. Et c'est lui qui a livré ses ennemis rien que par son ministère. Kindokiza la facette. Et j'aimerais dimanche, Koutika, moi si naote, bananaote, Koutika, famille naote, baninga naote. J'aimerais que vous découvriez ces enseignements. Tokozo ango, ils ont la facette et ma palier belé. Et vous allez voir que. La sorcellerie et l'okofo au découvrir, au connaître pour contourner en haut. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Nous échouons parce que les sorciers ont la connaissance du spirituel, mais bien souvent dans Zambé, tu as la connaissance de. Tous autres, les animaux, sans savoir que l'ennemi est là. C'est comme les serviteurs d'Élisée. Azoye batte, l'ennemi est là. Comment les contourner? C'est la vie de chacun de nous. J'aimerais vraiment poser à cœur ce programme. C'est une grande bénédiction. Tous au Sambé la Zambé pour que très bientôt, tous au adresse Nabiso. Tous bandaba retraite. Tous bandaba veillée de prière. Tout banda ma chaîne de prière. Tout banda ma prise en charge spirituelle. Nous avons beaucoup d'interrogations comme ce serviteur d'Élisée a juste solution parce qu'il est côté, il était à côté d'un homme spirituel qui l'a aidé. Et nous voulons mettre le spirituel de ces ministères à votre service pour vous aider à l'emporter et à emporter les victoires. Amen. Donc, Téléma, lobby, vous allez avoir de 6h30 à 8h30. Ce que sa bouche a dit, ça s'accomplira. Ce que sa bouche a dit, ça s'accomplira. Ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit, Yahweh, ça s'accomplira. Yeah. Ça s'accomplira. Alléluia, ça s'accomplira.
Alléluia, ça s'accomplira. Alléluia, ce que sa bouche a dit. Oh non, ça s'accomplira. Ce que sa bouche a dit. Ce que sa bouche a dit. Oh non, Jésus, ça s'accomplira. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Te disons merci pour ces grandes choses révélées à ton peuple. Merci pour ces moments de prière. Merci pour ta présence qui nous a conduits, qui nous a guidés. Ta présence qui nous a ramené la victoire. Nous te recommandons ton peuple qui soit sous ta protection. Que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, versé à Golgotha, puisse tapisser le chemin de notre retour. Qu'il n'y ait point de dévoreurs sur notre chemin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Solo na betela moto teo, Yesu yo.